Eh bien, salut tout le monde, c'est Max4169 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas découverte, mais j'ai fait quelques missions sur State of Decay. Donc, qu'est-ce que State of Decay? Alors, c'est un jeu de zombies, un open world, un peu comme. C'est un peu du style de WarZ ou DayZ. En fait, je suis en train de flamber. Bon, là il y a quelques missions, je crois que WarZ et DayZ c'est juste on cherche des munitions, on survit, c'est tout. Mais là il y a vraiment une petite histoire, on va dire. Enfin, une petite histoire, des quelques missions à faire, fouiller des camps, etc. Que j'ai commencé un peu le jeu. Donc, oui, on peut conduire des véhicules, ça je trouve ça vraiment sympa. Enfin, on peut se déplacer vraiment plus vite qu'à pied. Donc bon, on va aller à une mission. Alors, non, on va pas aller faire celle-là. On va aller faire celle-là, histoire que vous voyez bien, on fasse un long trajet, etc. Donc, bon, je crois que ma voiture va pas tenir. Mais vous voyez sur la, donc à gauche, vous avez la minimap. Vous avez la barre à gauche, c'est l'endurance, et la barre rouge, c'est la vie. Ensuite vous avez la minimap, et là où vous avez votre curseur, regardez, vous avez un petit rond bleu, et ça émet combien de bruit, enfin, jusqu'à combien de, enfin, on va dire de mètres, enfin le périmètre que vous faites du bruit en fait. Donc c'est plutôt sympa. Boum. Donc on va aller à la mission, j'ai pas encore fait cette mission. C'est un lac. Il y avait un truc bleu sur la carte. Donc je trouve ça vraiment sympa. Il coûte. Enfin, il est sorti encore que sur Xbox. Et pas encore sur PC. Tiens, oh, regardez, il y a ma voiture. La même voiture mais en neuf. Donc je vais prendre la neuve. Oui, donc il est sorti que sur Xbox pour le moment. Et prochainement sur PC. Il coûte 1600 points sur Xbox. Voilà. Merde. Je regardais la minimap et je sais pas. Boum. Je trouve ce jeu vraiment sympa. Regardez, horde de zombies, voilà, c'est là où il y a plusieurs zombies. Enfin, plein. Je vais les tuer tous. Moi je l'ai fait en voiture, c'est marrant. Ah oui. Et quand vous roulez, vous pouvez ouvrir la porte pour tuer les zombies. Voilà. Enfin là j'ai un peu loupé mais. Voilà, hop là. Là non. Non, même, j'ai même pas encore détruit la arme. Elle est où? Bah. De vrai. Ah, elle est là. Voilà, donc là j'ai détruit la horde de zombies tués, voilà. Là il y en a une autre devant. Ça fera carnage. Boum. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Parce qu'après ma voiture, comme vous voyez, je sais pas comment on fait la face avant. Enfin, bref, comme ça on va faire comme ça. Vous voyez, la voiture se dégrade au fur et à mesure. On va pas continuer. J'ai pas envie de continuer à pied. Même s'il y a pas mal de voitures. J'essaie de pas vous faire. Mince. J'ai pas essayé de vous faire une vidéo trop longue non plus. Une petite vingtaine de minutes, mais à peine. Enfin, je vais vous faire une mission, ça dépend combien de temps durera la mission. C'était à gauche. Bien ce que je pensais. Oh là, c'est le bordel ici. On peut pas y aller en voiture? Signaler, on s'en fout. Boum, on y va. Voilà la mission. C'est sympa ici. Je vais continuer à pied. De toute
se fait un peu, on va dire, The Walking Dead, un aspect survie, voilà. Passe. Oh. Je sais pas s'il faut passer par là, mais c'est ce que je fais. Waouh. Je sais pas du tout s'il y aura des survivants ou quoi. Déjà, je crois que je n'aurais même pas dû passer par là. Si ça va dehors. C'est dans le bâtiment en tout cas, ça c'est sûr, c'est dans le bâtiment. Peut-être en hauteur. Ah merde, je suis sur le point, sur le toit peut-être. Je sais pas si on peut aller sur le toit. Non. Non. Ouais, donc vous pouvez fouiller des objets, par exemple le frigo. Bon, c'était un peu long le pour fouiller. Je sais pas ce qu'il fout. Voilà, j'ai trouvé une boisson énergétique. Voilà. Donc pour le menu, vous appuyez sur la flèche de haut. Là, vous avez tout. Enfin, si vous avez sur vous. Attention, vous pouvez. Enfin, vous avez un sac, mais voilà, moi j'ai un grand sac à dos. Augmente la capacité de portage, mais c'est encombrant. Ouais, je peux transporter un peu plus d'objets, mais il y a un poids limité. Bon, j'ai une hache, j'ai deux hachettes, j'ai trois, quatre flingues. Donc, je pense que ça va aller. Je pense que je pourrais survivre. Celui-là. Aïe. Les toits. Il y a des toiles. Non, c'est en face, bien. Je sais pas trop. Mission. La loi. La loi. Je sais même pas si en fait si c'est là. Et merde, en fait c'était pas là. C'est quoi? Aider à trouver le survivant disparu. Ouais. On s'en fout du survivant disparu. Moi je vais aller à la mission. Là je me fail là dès le début. Ouais, je vais pas aller aux toilettes. Je me fail dès le début déjà. Hop. C'est parfait. Je crois que c'était la mission. En fait, c'était pas la mission. Génial. Bref. Ouais, donc on court, on émet du bruit. Mais là par exemple, il y a des zombies. Bam. Et puis sur V, il me voit pas. Enfin, il me voit pas. Je fais moins de bruit, après si je passe devant eux, c'est sûr ils vont me voir. Voilà, hop là. Il y a quoi là-bas? City of Marshall. Je parle pas très bien anglais. Okay, c'est pas grave. Enfin, je comprends pas trop. Ah mince, je suis fatigué. Si je bois ma canette, c'est pas quoi. Ouais, je peux pas la voir. Là. Salut toi. Ou vous. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. If you'd let me start training them, I... We'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Welcome. Oui. I suppose you've heard of... Bonjour. Well, it's all true. We have a safe, secure society. C'est un tribunal, en fait. Moi le juge. I'm sorry. What exactly happened in the United States when I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, putain. T'es frais toi avec ta moustache. It may not be the most gros soldat américain là. But it's all we have. All we have? The army's camp just across the river. Yes, and other than vaguely threatening broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead, fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that way. C'est vraiment le chaos dehors, en fait. Of course, all firearms will be surrendered.
Je vais pas aller en prison. Right. Well, thanks for the offer, but we're doing just fine on our own, and I'm damn sure not surrendering my guns when the streets are full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely before the issue has to be forced. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. He's under a lot of strain. We're penned in pretty good by these things. And like you might have heard, we're short-handed. Tell you what, help me clear some of these problem areas out and I'll vouch for you. Putain, me regardez comme ça, toi. Toute boîte. Ouais, c'est ça, casse-toi. Allez, vas-y. Faut que je fasse quoi? Aider le shérif. C'est pas mon problème, peut-être plus tard. Oui. Allez, on va les aider. Rejoindre l'infestation. L'infestation, je crois que c'est détruire des. Enfin, je crois qu'en fait c'est des maisons envahies. Il y a des zombies hurleurs. Et en fait, dû à leur nom, ils hurlent quoi. Et ça appelle masse de zombies. Il y en a plein. J'en ai nettoyé une la dernière fois. C'est un peu abusé. Ils ont pas une voiture là? Faut couper par les champs, ouais. Faut couper par les champs. Sans, je suis armé, je suis équipé. Je pense, vous allez voir un peu si c'est ce que j'ai dit précédemment, si c'est une maison infestée. Vous allez voir le bordel que c'est un petit peu. Ouais, c'est là-bas, je crois. Je vais attendre un peu. Parce qu'il faut, quand vous tapez, ou ça vous en a un peu de barre, raison. Je crois que c'est. Il va falloir détruire le camp. Ouais, c'est ça. Détruire l'infestation. Voilà, donc eux, c'est les hurleurs. Voilà, ils ont pas de droit. Ta gueule! Voilà, bravo. Bravo, Moret. Fire! Donc je peux tirer des balles, mais bon. Pas trop envie de gaspiller, on sait jamais si une mission plus dure que ça. Ah, c'est LBA. Merde, non, c'était LBY. Et puis zombie. Ah si. Fouiller. J'ai fouillé un peu. Et puis zombie. Donc, là c'est une petite infestation. Que ça passe. Grand sac à dos, j'en ai déjà un, hop, je prends pas. Et rejoins l'infestation suivante. Ah d'accord, donc il y en a plusieurs. Ok. Donc là j'ai vu. Ah non, c'est bon, il y a un plomb. J'ai vu qu'il y avait de l'eau, mais je sais pas si on peut nager en fait. J'ai pas essayé. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour remonter, donc. Donc on va éviter la horde là-bas. C'est un peu. Bah, il y a une horde. Bah, coupé. Mais ils sont sérieux? Faut que j'aille désinfester la maison ou quoi? Toi, oh, one shot. Niveau de combat 5. Ça, je pense que ça. Waouh! Merde. Et au corps à corps, je suis un peu nul au visé. Tac. Bim. Je t'attends ta gueule. Ouais, au niveau mode bourrin, on est des mecs comme ça.
D'ailleurs, plus personne n'a un... ça va. Ouais, un zombie là-bas qui arrive, mais bon, on s'en fout, il fait pas partie de l'investigation. Voilà, ça c'est fait. Toi, t'es mort. Ah, saloperie. Connard. Voilà, il a alerté tous les zombies. Génial. Oh merde. J'ai pas envie de mourir. Ta gueule. Putain. En plus je suis fatigué là. Je vais m'occuper de lui parce que s'il ramène encore des zombies... Putain. Laissez me barrer. Je peux pas boire ma canette là. Je vais recharger. Putain, laisse-moi recharger. C'est un peu la galère. J'ai récupéré mon truc là. Voilà, je vais nettoyer cet endroit. Putain, c'était la galère. Donc on va aller à l'objectif. À l'objectif, pardon. Putain. Les zombies rollers, je les déteste déjà parce qu'ils me niquent les oreilles, ces enfoirés. Et en plus je suis fatigué, putain. Oh non, j'ai cassé ma hache, génial. Bon, heureusement que j'en ai d'autres. Hop. Je prends la hache ou la hachette. Bon, je vais prendre la hachette. Équiper. Tac. Attends, j'ai la hache. Voilà. Bon, on va aller à l'objectif. Hein. Hop, je prends ma canette. Bim. Qu'est-ce que c'est? Wouah, il se fait bouffer lui. Je tape mon pote. Ah, de lui donner des coups de pied. Ah oui, donc on peut donner des coups de pied en tapant Y, je crois. Je crois que c'est Y. Putain de truc de... Est-ce que je vais mourir? Presque. Oh putain. Ah non, je suis mort. Ah ouais, merde. Bon bah j'ai fait le con, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Je sais pas où est-ce que je vais se respawn. Bah... Vous allez pas voir le... Bah la fin de la mission, voilà, je vais vous laisser, si vous l'avez pas encore acheté, je vais vous laisser l'acheter et terminer, enfin, et y faire la mission. Oh, en plus, j'ai respawn loin, donc va te faire foutre. Va te faire foutre la mission, je la referai plus tard. Donc, on aura le bug, colère. Je m'en fous, moi, je t'emmerde. Pardon. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur State of Decay, bah, vous laissez un commentaire, pouce vert, etc. Vous en sortirez peut-être une autre. Enfin, mon walkthrough sur Borderlands 2 continue. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vu ou plusieurs. Enfin, et la suite va sortir bientôt. Donc, bon bah abonnez-vous, voilà, si vous voulez suivre. Si vous voulez me suivre sur mes prochaines vidéos. Donc,